au bout de moi. Que je suis extrêmement contente de vous faire. Du coup, je vous retrouve pour une vidéo veille plus jour de la rentrée. Pour moi, le jour avant la rentrée, c'est vraiment le jour pour décompresser, déstresser, parce que moi, je sais que la rentrée, ça me stresse beaucoup. Du coup, on va y aller. Je fais plein de gros bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Moi, je pense que j'aime et ce qu'on aime tous, c'est d'être dans une chambre rangée et propre. Du coup, je décide de faire mon lit et de ranger tout ce qui traîne. Je range ensuite mon bureau pour avoir un bureau tout propre. Et j'enlève les cahiers et tout ce qui traîne pour avoir un bureau tout propre et tout rangé pour la rentrée pour pouvoir bien travailler dessus et me concentrer. Je change également mon bullet journal, j'essaierai de faire une vidéo peut-être là-dessus. Là je prends mon goûter comme tous les jours, je trouve ça grave important. Mais par contre j'avais pas très faim, du coup j'ai juste pris de l'eau avec un Oreo. Je check un peu la liste que je me suis faite pour la vidéo. Après je vais dans la salle de bain pour me laver, je devais me laver la tête avant la rentrée, sauf que là c'était pas la vraie rentrée, du coup je me la suis pas lavée. Je vous montre quand même les produits, j'utilise un shampoing de chez L'Oréal Paris, un soin de chez Nika que j'ai acheté chez Bleu Libellule, et une huile qu'on met cheveux mouillés et secs pour les hydrater à la kératine de chez Urban Kératine. Je me mets une pâte de chez Garancia pour nettoyer le visage sous la douche. C'est genre un gommage, c'est grave bien. Après, je me prends un bol de chips pour aller me faire mon masque dans ma chambre et je vais faire mon masque. En vrai, j'ai plein de masques et en fait, je me les fais jamais. Du coup, je me suis dit, là, c'est le moment en fait. Et du coup voilà, j'ai choisi celui au macaron, je l'avais scanné sur Yuka, il était très très bon. Je vais arrêter la musique pour appliquer le masque pour pas avoir les écouteurs dans les oreilles. Et du coup je m'attache les cheveux, je me fais un chignon pour éviter que mes cheveux y collent. Enfin je me refais un chignon pour éviter que le masque colle à mes cheveux. Du coup voilà, j'ai fait mon chignon, je suis prête et je vais appliquer le masque au macaron. Même pas fait attention, en fait le masque il est en deux parties, du coup c'est trop cool, je peux en servir deux fois. J'étais grave choquée de la couleur, j'en savais pas que c'était violet. Oh my god. Et mais je m'en fais tellement rarement aussi, genre je sais même pas ce que ça sent ni rien. Du coup là je l'applique avec les doigts, parce qu'en plus j'avais un pinceau tout neuf dont je me servais pas. Du coup j'aurais dû pendre pour ça, mais je sais pas où il est, de chez Nocibé. J'ai perdu. Like a cool blue light. Like a cool blue light. Bon, là, ça fait grave. Là, ça fait grave une texture bizarre. Ça fait trop bizarre. Du coup là c'était une catastrophe, j'en ai mis partout. Du coup je continue de manger, je regarde la vue, c'était grave beau le coucher de soleil et tout. Bon, je me suis pris un fou à la vitre. Mais qui calache. Du coup là je nettoie parce que faut bien quoi. Pour avoir un bureau propre et tout, pas plein de masques là. Là je vous ai mis un petit extrait de mon carnet, mon bullet journal, pour vous expliquer, sauf que j'ai pas tout mis. J'ai mis un tout petit moment où j'ai arraché la page. Et là je me suis rendu compte que c'était la page du milieu. Je sais pas si c'est là, non je crois que c'est là. Et en fait vous allez voir, j'ai arraché la page et ça a tout arraché. Du coup j'ai dû arracher la page que j'avais copiée pendant je sais pas combien de temps. J'avais écrit plein de verbes pour les verbes irréguliers en anglais. Et là du coup j'ai dû l'arracher parce que ça s'enlevait. Et du coup je dois tout recopier. Et je l'ai pas fait ce soir même, mais je vais le faire dans la semaine là. Du coup j'ai recommencé quand même à tracer les lignes du tableau pour les avoir un peu et pour pouvoir écrire dedans, comme ça je m'avance un peu, mais sinon je suis vraiment dégoûtée et je venais de le faire la veille, mais bon. Pendant que le max se posait, je voulais aller lire un livre sur mon lit, mais du coup j'y ai pas été, genre en plus c'est passé grave vite et tout. Et du coup je pense que je lirai quand même, il faut que je le lise en fait. Et je passe trop de temps sur les écrans et du coup ça va pas, genre j'y suis trop. Elle a allumé mes LED parce que j'aime trop. Du coup là c'est moi qui cherche ma télécommande de LED partout.
Parce que genre des fois quand je m'endors je la pose sous mon oreiller. Du coup j'ai quand même ramené, je l'ai pas trouvée, elle était tout simplement sur mon bureau. Mais j'ai quand même pris les livres et les eaux micellaires que j'avais laissés dans mon lit. Tout à fait normal. Juste pour parler un peu, de base je dois pas trop parler, genre je voulais plus faire en voix off. Mais je voulais vous dire, genre en fait moi je lis pas beaucoup. Avant je lisais vachement, je passais ma vie à lire. 6ème, 5ème à peu près, genre je lisais beaucoup. Je me couchais à 9h30 et j'étais au... D'ailleurs... Bah j'étais pas fatiguée, maintenant toujours fatiguée. T'as pas, mais vraiment 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 fatiguée. J'arrête les écrans, enfin que j'aille beaucoup moins. Mais en fait je lis pas des livres hyper intellectuels. Je lis le livre de Namila. C'est une amie à moi, d'ailleurs il faut que je le rende. C'est ma meilleure amie qui me l'a prêté. J'avais plus de place, j'espère que ça va marcher. Mais du coup en fait comme je l'ai dit, je l'ai fini jamais en ce moment. Enfin je commence les livres et j'ai fini jamais. Là je sais même plus où j'en suis, je dois tout recommencer. Lui c'est le livre de Romy, pareil, j'avais commencé à lire et même la moitié, enfin vachement, il est trop bien, genre j'aime trop. Après j'ai le livre de Riverdale, je l'ai pas lu du tout, du tout, du tout, enfin j'ai lu, j'en suis à où là? Mais je veux manger là! Je viens de faire mon sac où j'ai mis un classeur, des feuilles, mon agenda et un carnet. Du coup là je vous dis bonne nuit, je vais dormir, vous allez voir bien si je vais me réveiller maintenant. Et après je vais aller ouvrir mes volets comme beaucoup de gens de notre âge pour aérer, même en général. Du coup j'ouvre mes volets. Donc là je me réveille et du coup bah, je vais déjeuner. Là je me suis fait un truc grave, healthy et tout, grave bon pour la santé. Du coup, vous allez voir, j'ai pris des céréales. Je vais tout vous montrer en détail après les produits pour que vous voyez. Du coup, j'ai pris des céréales comme ça, du beurre de cacahuète, du yaourt stracciatella et du lait de soja. Du coup, j'ai mis du yaourt dans... Putain, catastrophe. J'ai mis du yaourt dans le bol, j'ai tout mis, ce qui restait. Après, j'ai mis des céréales. Ensuite j'ai mis une banane en petits morceaux genre. Et après j'ai juste mis du beurre de cacahuète par dessus. J'en ai mis un tout petit peu. Et voilà. Après j'ai décidé de mettre des graines parce que j'aime trop les graines et on en a pas mal. Du coup j'ai mis plusieurs sortes, j'ai pratiquement toutes mises. Ouais, j'ai toutes mises. Du coup j'aime trop me mettre des graines. Et voilà, c'était trop 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 bon. Et après je suis allée, genre on a comme une épicerie genre. Et du coup on a un peu des trucs et je suis allée prendre du jus d'orange parce que genre on en avait plus. Du coup voilà. J'ai filmé avec la tablette pour le moment. Du coup, comme vous avez pu voir, j'ai pris ça, je vous ai tout montré, avec plein de graines, même si on a déjà dans les céréales, du jus d'orange, un kiwi parce qu'il allait trop mûr. Et après, je vais regarder Lena, la reine de jeu. Je vais me faire un latte glacé, mais finalement, en fait, je ne l'ai pas fait. Du coup, là, je vais me brosser les dents. Là, je vais vite fait me maquiller, je mets juste un peu de fond de teint, en fait je le mets en anti-cerne avec un beauty blender. Donc le fond de teint c'est un Kiko et le beauty c'est de Action. Oula, ça va trop vite. J'ai fini mon maquillage, genre c'est hyper léger. Du coup là je vous disais que normalement je me lisse les cheveux, mais là vu qu'ils sont sales, et du coup je les brosse et j'ai fait une couette basse parce que vraiment ils sont gras et c'est vraiment pas beau là. Du coup,
Voilà. Je vous disais que je mettais de l'huile pour hydrater à la kératine. J'ai de l'olive et l'huile encore. Et ensuite, là, je range, je fais mon lit avant de partir. Comme ça, c'est nickel. Moi, je le fais pas en premier, je le fais avant de partir. Du coup, là, c'est tout bien rangé. Je prends mon sac et du coup, je vous dis au revoir. Je fais pas... Non, restez, regardez aussi mon outro et la suite pour les gestes barrières. Car mon outro, je vous mettrai qui c'est qui l'a fait en barre d'infos et plein d'autres informations, allez-y. Écoutez, vraiment, c'est par rapport aux gestes barrières. N'oubliez pas vraiment de mettre votre masque. Tout le temps, où vous soyez, n'importe où, mettez-le, ça vous protège, ça coûte rien, et n'oubliez pas les gels désinfectants. Coucou, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, je l'ai tournée vraiment sur 2 jours, et vraiment j'espère que vraiment ça vous a plu. Je l'ai vraiment postée avant la rentrée pour que vous puissiez la regarder, parce que sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Du coup voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai trop aimé la tournée, mais surtout la montée. Et j'espère que mon intro vous a plu. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.